Hey, salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode d'Agrarian Sky. Bonjour tout le monde. Alors, vous pouvez remarquer actuellement que je suis en train de record avec OBS. J'ai envie de tester un épisode rien qu'avec ça, voir s'il est vraiment possible qu'OBS remplace un petit peu Fraps temporairement, juste voir un petit peu si ça vous convient ou non. Voilà. Pour l'instant, moi, j'apprécie que, en fait, ça fait de très bons rendus. Donc, du coup, je me suis dit autant le tester véritablement. Alors, j'ai beaucoup farmé concernant justement Agrarian. Redix est en train de s'amuser avec lui. Je vais pas faire un mode avec vous. C'est pour ça que je l'ai torché durant ces 2 derniers jours, tout simplement pour mon plaisir personnel. Je l'ai torché que pour moi, en fait. Attendez, je bouffe un petit peu la mana là. Pas la mana, je suis con. Oui. Hop. Voilà, comme ça je peux manger. Alors, du coup, au niveau de la tour à mob, nous avons fait ça. Hein, nous avons mis les barrels à fond. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des grinders qui ont paru. La vache, les Undermen. Waouh. Génialissime. Donc vous pouvez voir que ça tombe vraiment bien. Par la même occasion, j'ai... Oh, une flèche. Ils sont en train de s'amuser à tirer. J'ai mes ailes d'Angel Ring, hein, naturellement. Et puis la Fluxed Armor qui a été faite par Monsieur Etant. Donc du coup, je peux voler. Alors, bien sûr, généralement, je reste quand même en mode je marche à pied. Ça, c'était une Nether là-bas, j'en ai plus besoin. J'ai fait du coup des items duck, hein, donc c'est via le coffre, via en dessous, comme vous pouvez le voir ici, un cerveau renforcé qui extrait des items en continu. Donc, hop, ça va dans ce coffre là, qui est extrait par des transfert nodes et en même temps des speed upgrades qui envoient directement dedans. J'avais testé via les items duck de Thermal, cependant, il y a un véritable problème avec eux. Quand on extrait là, il n'y a aucun souci, ça extrait bien. Cependant, s'il y a de la place ou non dans le barrel, ça n'y va pas forcément dedans. Et c'est ça le souci, c'est que en fait les items ne vont pas là où ils veulent aller. Ou qui peuvent aller. Ou qui veulent aller. Non, qui peuvent aller. Donc, par exemple, ici, c'est de la rotten flèche. Là, bah, il n'y a plus d'espace, hein, on s'en fout. Arrow aussi, là. Par exemple, les underpearls. D'ailleurs, je vais pouvoir en jeter. Ah, voilà. S'il y a de l'espace de stockage, bah, dans le tuyau, il faisait ça. Il n'allait pas dans le barrel en question. Alors qu'avec les transferts nodes, vu qu'il y a les items qui vont dedans, hop, ça recherche directement et ça les met directement dedans. S'il n'y a pas assez de place dans les barrels, alors ça va dans la trash can directement pour se foutre à la poubelle. Du coup, également, on a récupéré de la mob essence parce que la mob essence nous en avons besoin quand même, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Donc, on récupère via 2 essences drum directement, que d'ailleurs je vais m'empresser de récupérer et d'en refaire juste après. Hop, voilà, nous avons 512 buckets d'essence. Donc, sur ce point, il n'y a aucun souci. 2 espaces de stockage, même si c'est largement suffisant. Et j'ai fait un Solar 3 pour la nuit. Donc ça fonctionne très bien. On remonte là-haut, donc la tour à mob, hein, vous connaissez le principe. Désolé Redix si je spoil, mais bon. Allez voir Redix. Hein. Je suis un peu obligé de spoil. Ça c'est chez Monsieur Dead, hein. Ça c'est Reddick, ça c'est Ethans. Ethans il a fait un très beau truc, hein. Bon je lui ai aidé pour son réseau Applied. Donc c'est très simple pour ceux qui veulent se mettre Applied sur Agrarian. Vous mettez une interface, aucun sens d'orientation, l'inscribeur, comme ça le courant passe. Et vous mettez une note sur le côté qui retransfère ici, comme ça. Si par exemple on envoie un silicone dedans, alors lui il extrait et renvoie dans le système, dans le réseau. Voilà, tout simplement comme ça. Et j'ai fait pareil pour toi. Il a fait son petit réseau là tranquillement. C'est très beau, c'est très joli. Il a fait des 4K au sol. Il est en train de farmer comme un porc. Voilà, le bâtiment en question, c'est Botania. Botania, je l'ai farmé à fond.
pouvez remarquer que la quête justement de Botania est 100% faite. Je l'ai farmé à fond parce que je vais pas le refaire, sachant que je le fais comment? Je le fais dans le... Ah, merde. Je suis en train de le faire dans Rigloof avec Pierre, donc du coup, je l'ai fait ici en mode n'importe nawak, je fais tout en mode YOLO. Donc du coup, ça c'est de la glace, hein, donc vous verrez tout ça avec Rigloof, je ne vais pas vous expliquer. Au pire, vous voyez, vous allez regarder les épisodes de Redix, placement de produit, pour, parce qu'il veut expliquer Botania de A à Z, donc du coup, allez voir chez lui, c'est lui qui expliquera correctement Botania. Bon, bien sûr, il viendra chez moi s'il veut faire du Botania à fond, mais en tout cas, ça vient ici. Donc, vous voyez, les faisceaux, c'est ça que je trouve classe. C'est tous les faisceaux. Et les mana pools, en plus, elles sont pleines. C'est ça qui sont cool. Hyaluronic Altar, vous connaissez. Ça, c'est pour faire des potions. Les potions de Botania sont quand même cool. Ça, c'est pour transformer la Rotten Flesh en cuir, par exemple. Et ça, c'est pour dupliquer les items. Eh oui, on peut dupliquer les items. Regardez. On a une snowball. Oh, bah, ça en fait 2. Oh, bah, ça en fait 4. Oh, bah, ça en fait 8. Oh, bah, ça en fait 16. Voilà. Donc vous voyez, hop, comme ça tout se duplique. Il n'y a que 8 items qui peuvent se dupliquer. Et puis vous voyez, c'est déjà plein, hein, parce que j'ai toutes les cocottes à côté qui travaillent. Voilà, et en plus elles se rechargent là. Également, du coup, j'ai fait ça sur 2 étages, parce qu'un étage ça suffisait pas pour remplir les 2 mana pools. Donc du coup, j'ai fait ceci. Et du coup, j'ai fait un 2e étage. Avec les 4 là, pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là, en fait, qui ne captent. Ceux-là, ils captent en dessous. Mais ceux-là, ils ne captent que ceux-là. Donc, c'est pour ça que je les ai faits. Donc, il y a 2 étages. Hein, donc, hop, ça va là-dedans. Qui repart là-dedans? Qui arrive là? Voilà, tout simplement. Ici, c'est. Comment? Le système qui permet de faire. Hop, quand on ouvre ça, ça permet de faire. Merde, je le retrouve plus. Du terrastyle. Voilà. Hop. Une mana perle, une mana steel, une mana diamond. Ça fait une terra steel. Donc ça, il n'y a aucun souci. Hop, ça se fait là et ça fait des chelous, des aspects chelous. Également, j'ai fait le portail qui va bien. Le portail, on envoie des items dedans et pouf, ça envoie tout ça. J'ai des générateurs derrière de mana aussi, exclusivement rien que pour eux. Et j'ai fait aussi d'autres manas qui envoient directement via les mana pools là. Bah, direction les mana pools pour qu'ils se rechargent également. Voilà. Ça, c'est les mana pylônes, c'est pour ouvrir le portail. Voilà. Donc, vous verrez tout ça dans l'épisode de Rilouf. Hop. Donc, au niveau de ceci, voilà, Botania, je l'ai fait. Je l'ai farmé comme un porc. Et j'en suis plutôt content. Et j'ai fait la structure ce matin. Depuis ce matin, 7h, j'ai fait la structure qui était très longue. Parce que ça, la Living Rod se fait qu'avec des purs daisies. Vous pouvez voir qu'il m'en reste encore 2 là. Donc, du coup, voilà. Puis je commence à faire des runes pour avoir des quêtes suivantes. Voilà. Donc, sur ce point, c'est cool. Du coup, nous, on va s'attaquer à un autre choix. Donc, vous pouvez voir, un bâtiment est super beau. Je le trouve tellement classe que ça me ferait chier de le démolir. Mais je le referai peut-être sur Wiglouf. Je vais voir, je vais peut-être me prendre une journée à moi pour faire une serre correctement et ainsi de suite faire tout ce qu'il faut avec. Alors, on va commencer la nouvelle génération qui est pas du Tomcraft, mais on va faire les bises. Voilà. Alors, on a eu besoin de Carpenter, du Squeezer et de la centrifuge pour faire maintenant une artificielle Eve. Voilà. Oui, une artificielle. Une Eve artificielle. Qui va nous donner du coup des Mido et des Modestes. Alors, pour procéder à ceci, bienvenue pour démarrer dans le monde de l'apiculture. Pour être les premiers apiculteurs du serveur, tout à la là. Craft Artificial Eve, le procès, procéder à mettre des seeds dans un squeezer pour obtenir du seed oil. Place the bucket, placer le bucket seed wood dans un wood barrel
et faites clic droit avec justement la Yves. Une Yves là. Une autre Yves, hein, une autre. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Mais je sais comment la faire. Artificial Yves, voilà. Et quand on la met dans le barrel de Hall, on obtient cette ruche là. Je sens qu'il y en a un. C'est une flèche naturelle. IDX. Voilà. Ah, le salope. Ah, la salope. Ah, la salope. Il m'a touché, il s'est barré. Oh, putain, le salaud. Alors, lui, par contre. Mais comme il peut pas se reconnecter, il faut qu'il relance le launcher. Je vais l'exploser. Attendez. Sound resumed. Gros salope! Voilà. J'ai trop géré la petite flèche avant de déco. Toi, je te tuerai de toute façon. En boucle. Mais t'as de la chance que là, mon launcher accroche. Ouais, bah oui. Sound muted. Enfin, bref. Voilà, son launcher a crash, hein, évidemment. L'excuse bidon, comme on connaît tous. Donc, du coup, c'est aucun point. Aucun souci. Par la même occasion, la Matoc, elle fait du 14 de damage avec tout ça dessus. Donc c'est plutôt un bon point, ainsi que la pioche, elle fait maintenant vraiment tout. Alors ça, nous en avons plus besoin, nous avons besoin de ça. Alors, pour faire pas 47-2, il me faut Artificial Eve. Alors on va chercher les Eve, tout simplement. Voilà. Voilà ceci. Alors, il me faut du blé, donc c'est 9 de blé, plus des strings, comme ceci. Vous mettez ensemble, et hop, ça vous fait une Eve normale. Du coup, je suis en train de chercher ce qu'il faut. Nous faut ceci. On a des tropicales parce qu'on les a chargés. La centrifuge, on va la prendre. On va prendre le nez. Parce qu'on va en avoir besoin. Carpenter, j'en ai pas là besoin pour l'instant. Fermenter, ça fait de l'énergie. On a de l'éthanol. Le canne, je vais en prendre une parce que je vais en avoir besoin. Est-ce qu'on a de la dirt? Oui, nous avons de la dirt. C'est cool. Il va falloir que je fasse. Voilà. Je vais faire du coup les abeilles. Comment? Je vais faire les abeilles ici. Hop. Dès que Reddick se reconnecte, je le défonce. Alors, en même temps que je suis en train de faire ça, pour moi, je upload mon vlog. Donc, c'est possible qu'il y ait quelques petits ralentissements. Mais c'est vraiment passager. Voilà. On va obtenir une petite grâce. Est-ce que j'ai une grâce seed? Non, ça j'ai tout à fait. Est-ce que j'ai une grâce seed? Je pense pas que j'en ai une. On va faire du Tomcraft plus tard également. Tomcraft version agrarienne, ça promet. Ça c'est tous les poppies. Pourquoi? Parce que j'ai fait des seeds de redstone, hein, naturellement. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Cactus seed. Sugar cane seed. Et pas là-dedans. Grass seed. Ah bah voilà, je l'ai. Donc la grass seed, c'est tout simplement pour obtenir une grâce sur cette herbe. Et vous faites l'accélérer avec justement l'arrosoir. Ça vous permet justement d'étendre la grâce à une vitesse franchement incroyable. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Pour ceux qui ont un problème sur la watering can, là, ce que je tiens, l'arrosoir. Vous faites un clic droit quand vous êtes immergé dans l'eau. Voilà, donc ça veut dire que votre tête est dans l'eau. Vous faites un clic droit, normalement vous avez les particules. Et du coup, bah, la watering can, vous pouvez la faire ce que vous en voulez après. Hop, ça se déploie. Pour que ça se déploie encore plus vite. Ok, oh, cool, une fleur. Vous mettez des torches, tout simplement. 1, 2, 3. Voilà, vous mettez des torches.
Bon, ici, j'en ai pas trop besoin. Vous appuyez sur F7 au pire, hein, mais bon. Vous voyez, j'en ai même là. Hop. Voilà, ça suffit. Et vous refaites ça. Et vous voyez, ça commence à se propager plutôt rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va attendre que tout ça se fasse. Les deux derniers, le dernier, et voilà. Nous avons une zone verte complètement. Ensuite, maintenant que nous avons fait ça, il va falloir justement poser ceci et cela. Alors, la centrifuge qui permet de faire ça et ça. Le squeezer. Le squeezer, j'en ai besoin. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec. Hein, la zone est quand même assez grande. Donc, il n'y a aucun problème. C'est en mettant des seeds dedans qu'on obtient du seed oil. Oula. J'ai pas vu le trou, en fait. Très bien. J'ai même pas vu mon propre trou. On va chercher de la cobalt chez Redix. Voilà. Je te l'avais prévenu. Je t'avais dit que je t'aurais, de toute façon. Oui. Direct, ah ouais, direct. C'était pas mon chemin à la base, mais je l'ai fait direct. Vengeance. Voilà. J'ai crié vengeance dans le chat du TS. Hop. Mec trop vénère. J'attendais que tu te reconnectes, petit con. On va faire ça juste comme ça, hein, on verra ça plus tard. On fait ça. On va chercher un panneau solaire. Je pense que je vais récupérer les panneaux solaires que j'ai ici. Parce que j'en ai un peu trop. Voilà. Alors 3. 3 ça peut être suffisant pour l'instant. Je vais voir si j'ai pas d'autres. Pas ici, pas là. Attends non plus. Ardenet Flux, je crois pas que j'en ai fait. Ardenet Fluid Duck. Ah, Ardenet, j'en ai plus. Fuck it. Je pourrais y foutre la Magnum Torche pour éviter d'avoir des mobs chez moi. Pour être sympa. C'est du lead, c'est... Ouais, c'est un petit peu de la merde, donc du coup, je vais faire ça à l'ancienne. 1, 2, 3, et vous foutez votre panneau dessus. Et comme ça, ça charge tout ce qui va dedans. Hop, vous voyez, là, ça se fait. Et ça nous donne du B-Wax et de l'Ionet Drop. Voilà, donc ça, c'est bon. Nous avons besoin de ça, donc il faut aller chercher des seeds. C'était ça que je voulais chercher. Normalement, les seeds, c'est bon. Il va falloir que je regarde un petit peu combien ça donne de seeds. Ça donne 10 seeds. 10 mini buckets de seeds. Pour faire un saut complet, il m'en faut 100. Lol. Clairement, je vais pas avoir assez. C'est même sûr, je vais pas en avoir assez. Comment je peux avoir des seeds? Ah bah oui, c'est forcément avec la turte. Hein. Ah, cacao. Ah oui, cacao. Cacao. Et cacao bean. Ah oui, mais il n'y a plus d'énergie, Lou. J'ai enlevé le panneau. Eh, il n'y aura plus d'énergie. Cacao. Ça doit être dans ses coffres, les cacao beans. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà. Je transforme toutes les seeds. Hop. Donc les cacao beans, hein, se fait exactement avec le bois de jungle. On peut les faire récolter en masse, mais on peut aussi les envoyer comme ceci. Alors, je pense que je vais vider une bonne partie de la mana. Comment faire? Peut-être en faire que
4 stacks en fait. Oui. Ah oui, je l'ai vidé. Ok, très bien. Ah oui, je l'ai vraiment vidé la machine. Oh la vache. Oups. Putain, ça bouffe autant de mana pour 3 stacks. Même pas 3 stacks. Ah ouais, ah oui, par contre, j'ai bien mis au fond. Bon, bah tant pis, je vais continuer. 350 plus 640. Il m'en manquera juste une, voilà. Et normalement, ça doit me faire le saut. Donc, du coup, je mettrai du coup ça. Ce site égale à un saut, hein, c'est l'équivalent de faire un saut, tout simplement. Donc, ceci étant dit, je vais prendre du coup un barrel. Hop, j'ai pris mon barrel. Je vais le mettre là, tout simplement. Je vais du coup récupérer un peu de blé. 4 et 4, 8 et 4, 12. 1, 2, 3. D'ailleurs, je pourrais le transformer en blé au pire. Hop. Tac, tac, voilà. Je vais me le faire cuire. Des strings. Ça va être pas mal. 9. Vive la tour à mob quand même, je vous le dis. Hop. Ça fait une artificielle. Et il faut la mettre justement dans la seed oil. Là, on peut rien mettre, forcément. Faut attendre que ça se fasse. Tranquillement. 40. 35. Ouais, ça va faire tout pile un saut, hein. Vraiment tout pile. Donc on attend, hein. Naguère de choses à faire de toute façon. Attendons, attendons. Ça fait déjà 22 minutes qu'on rec. Ouais, ça va. L'avantage avec OBS, c'est qu'on peut regarder le temps qu'il y a actuellement. Ça, c'est plutôt cool. Je trouve ça tellement lent, par contre. Allez, plus que 11. 10. Putain, et Torcherino, il serait cool ici. Surtout pour ça, quoi. Allez, 7. 6. 5. 4. 3. 2. Putain, il faut 3 secondes environ. 1. Hop. Bonjour. Ouais, c'est là. Je les transforme en seed. Voilà. Donc, on met un coup de barrel, voilà, vous hop, et vous faites ceci, et vous le reprenez, et vous avez votre artificial. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas transformer ici de là. Donc du coup, ça vous donne ça, et ça vous donne 50 revenus. Voilà, ceci étant fait, maintenant il vous faut une un scoop. Hey, il faut pas un scoop. Voilà. Voilà le scoop. Bah même. Même tu peux pas faire du 10-10-10 en seed. Du coup, scoop. Le scoop ici, c'est une laine que j'ai jetée dans le vide, hein, évidemment. Et des sticks. Eh ben, on va chercher ça. Des strings, déjà. 4. Hop.
Voilà. Faut les récolter à la mano. Merde. Hop, et ça vous fait un scoop. Que vous prenez, et ça vous fait les premières abeilles. C'est des Empresses. En plus, c'est des Priestings, ça c'est cool. Du coup, vous mettez ceci. Alors, oh, on peut faire les Under comme ça. On peut faire les Wintry, les Modestes, les Forests, les Tropical, et du coup, les Marshy. Ah, c'est comme ça qu'on fait, d'accord. En fait, il va y en avoir besoin de beaucoup plus. 40 plus 40, ouais, bah c'est ça. Hein. Hop, ça fait 100. Donc, bah, je vais mettre ça avec. Directement, du coup, on va récolter pour faire une apiarie. L'apiarie se fait normalement avec du bronze. Apiarie. Alors, on a bien sûr l'industrie. C'est ceci. Ah oui, c'est vrai. Il faut le carpenter. C'est pour ça que j'avais besoin du carpenter. C'est pas la dent, c'est la fin. Merde, j'ai foutu où le carpenter? Ah ouais, là. On a les tropicals, donc ça on va les prendre, hein, tant qu'à faire. Carpenter. Donc c'est 190. Là, il y aura 0, naturellement. Il nous faut un bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. En faudrait deux autres. Je suis pas sûr que ça marche. Bois de jungle, ça. Deux autres. Hop, voilà. Ça, je vais juste le garder pour refaire la plantation centrale. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça, je vais juste le garder. Voilà, tout simplement, vous mettez au centre, vous faites ceci. Ça vous fait les 3 et 3, 6. Et vous mettez, par exemple, de là. Et avec, normalement, tout ce qui va bien, ça vous donne bah justement ce qu'il faut. Ça, je vais juste transformer ça en table de craft. Voilà. Tout simplement. Bon, ça va, ça descend petit à petit, mais pas énormément, mais petit à petit. Il me faut bah, du coup un autre seau. Donc on va attendre. On peut en faire 4 du coup des apiaries. Et c'est du bois standard et ça vous fait une apiarie. Ok, donc on va faire ce qu'il faut. Oh cool. Non, encore au-dessus. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Voilà. Et il nous faut bah, justement notre truc au milieu. Donc, on va bien sûr patienter encore un petit peu. Pour faire ceci. Allez, plus que quelques petits trucs. Allez, on va y arriver. Hein. Donc ça va nous donner nos premiers éléments, en fait, pour être un apiculteur cool. Bien sûr, je prendrai ça parce que ça, c'est désactivé. Donc une apiarie normale avec ceci. Et ensuite, on va donner des frames, et les frames, bah, on pourra les faire plus tard. Du coup, au niveau de ça, tri, 5 quêtes au total, unlock 4, complète, une et une en cours. 21%? Ça est une petite question, pourquoi ici, du coup, ça me donne 8% complete, alors qu'il y a une seule quête au total? C'est ça que je trouve con, en fait. C'est ça que je trouve con. Du coup, là, plus que 5, les 4. Voilà, le seau. Acid oil.
Faites un clic droit et ça fonctionne. Voilà, imprégnette casing, donc c'est des bûches normales, avec du seed oil. Il en faut 250 millibuckets pour obtenir un précis casing. Voilà. Une fois que nous avons ceci, d'ailleurs ça, je vais la retirer. Là. Et puis là. Voilà. On la fout là-dedans. Et ça fait une apiarie. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est en cours de déblocage. Ok, très bien. Donc du coup, ça fait notre première apiarie. Qu'on va, par exemple, bah, la foutre là. Et on peut faire travailler nos premières usuelles. Princess. Bien sûr, il fait nuit, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai du bois, je pourrais me faire un petit coffre. Un petit coffre plutôt sympa. Hop. Je fais la première quête d'apiarie. Silver chest plate. C'est plutôt cool, mais on s'en fout. Du coup, bah ça, on fout ça là. La centrifuge, on récupère l'honey drop, qu'on fout ça là-dedans. On va scanner cette abeille-là. L'usual. Alors, dans la première quête, ce qui marque en active, c'est quand elle travaille. En inactive, c'est quand elle est au repos ou qu'il fait nuit. Elle a une faible vie. Elle produit lentement, elle pollinérise lentement, elle a besoin de fleurs, elle fertile quand elle meurt de deux drones et une reine. Son territoire, c'est du 9 par 9 par 6 de haut et elle n'a aucun effet. Elle a besoin d'un climat normal, de température tolérée de 2, de plus ou moins. L'humidité normale, tolérance 0. Voilà. Elle travaille que de jour, elle travaille pas de nuit. Elle ne tolère pas qu'il n'y ait pas de fleurs et elle ne tolère pas quand elle est dans les caves. Voilà, tout simplement. Et pour l'instant, elle a tourné 0 fois. Elle produit du combe, donc ça fait du money drop. Oui, bah oui, c'est le jeu, ça. Ça produit du honey drop. On ne connaît pas encore les mutations qu'il a besoin. Et ça, c'est la classification de l'abeille. Hop, donc du coup, température normale, climat humide normal. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et du coup, elle va travailler dès qu'il commence à faire jour. Tout simplement. Du coup, bah ça c'est bon. Ça, je vais le foutre là-dedans. Foutre ça, ça et ça. Le bois, je vais le garder, ça aussi. Donc normalement, elle va pas tarder à travailler celle-là. Elle devrait. Nous avons besoin de bégonia. Ah, ça c'est du botania, bégonia. Voilà, vous voyez, elle commence à le travailler parce qu'elle travaille tranquillement. Elle est dans son petit biome. Bégonia. Hop. Bégonia. Drone. Ok. Alors, attends, est-ce que... Ok. En fait, la bégonia, actuellement, celle-ci, c'est que si les abeilles vont dedans, elle va produire du mana. Et cette mana, bah, après, vous pouvez l'envoyer, par exemple, sur Botania. Alors, vous avez besoin du black mana pétale, du white et du yellow. Bon, bah, on va chercher ça. On va se faire un peu de Botania avec. Non, c'est quoi ici? Ça, je m'en fous. 1, 2... 1, 2, 3, 4. Une white. Ok. Et une black. Voilà. Donc, il me faut ceci. Il me faut cela. Et il me faut une white. Donc, voilà. Ensuite, on va, du coup, là-bas. On va remplir ceci
Bah justement, dos. Faudrait que je mette des nénuphars. Ça, on y viendra plus tard. Une cible qu'il me faut. Elle est pleine. Elle commence à être pleine, cool. Alors, il vous faut, du coup... Ouais, c'est ça. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Voilà. Et il vous faut une seed. Évidemment, la seed, je ne l'ai plus. Hein, sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, il me faut des cocoa beans. Je les avais placés quelque part. Ouais, tout simplement ici. Du coup, on en rajoute ici. Voilà. Ici, on pourrait en mettre aussi. Ah bah voilà, tout simplement. Ça, on va le mettre là parce qu'il y en a besoin pour Botania. On a besoin d'une petite seed. Voilà. Quand on fout ça là, et voilà, nous avons notre bégonia. Et on peut clem. Voilà. Et la bégonia, on la met là. Voilà. Et normalement... Bégonia, je crois qu'il faut envoyer un signal dessus. Alors, attendez, je vais tester. Non, ça ne fonctionne pas. Pardonnez-moi, monsieur. Voilà. Je pensais que ça marchait, mais pas du tout. Et puis, on a obtenu une régénération 6. Ah ouais, une 6 quand même. Pas rien. Une mystical. Oh, ça, c'est plutôt cool. Hop. Une mystical, donc vous connaissez les principes. Hop. Ouais. Ouais. Ok. On connaît pas les mutations. Vais la foutre là. Une greater. Putain, t'appelles ça greater? C'est de la rotten. Bah, séché quoi. Un peu de la merde. La bégonia, je connais pas trop. L'utilité du coup. D'accord, je crois que j'ai besoin d'un drone là-dedans pour... Ok. Bon, on verra ça plus tard du coup. Et au niveau des quêtes, bah, ça va... On va continuer, mais on va continuer dans l'épisode chacha parce que ça fait déjà 38 minutes. Et du coup, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.